flamboyante, la sœur de Riyad Mahrez danse au son algérien Alaoui. Pétillante, la sœur de l'international algérien Riyad Mahrez, est apparue en train de s'ambiancer sur une musique des Z, lors d'un événement familial. On rapporte pour vous les détails dans la suite de ce nouveau passage. Loin des yeux, près du cœur. Il s'agit, effectivement, de la devise des émigrés, qui, en dépit de la grande distance les séparant de leur patrie, restent attachés à sa culture et fidèles à ses traditions. C'est le cas notamment de la grande famille de l'international algérien Riyad Mahrez, notamment sa sœur qui s'est montrée en train de danser sur un chant traditionnel douzaine. Vous êtes curieux et vous voulez en savoir plus? Vous avez frappé à la bonne porte. L'équipe de Zahir Daily vous dit tout de A à Z dans ce passage du lundi 27 février 2023. En effet, la famille Mahrez a fêté, ce dimanche, un heureux événement. À savoir la circoncision du petit-neveu du capitaine des Verts. Une cérémonie qui n'a pas manqué d'ambiance et de la bonne musique. Et les chants algériens étaient bien de la partie, notamment le Alaoui. Issu des hauts plateaux oranais, la danse traditionnelle d'inspiration guerrière a bien fait bouger la cadette de la star footballistique. Face à la caméra, Inès a esquissé des pas de danse et des mouvements d'épaule au rythme des percussions. À ce qu'il paraît, le son populaire a bien réjoui la frangine de la vedette algérienne du ballon rond. Le drapeau algérien dans la piste de danse. La femme de Waïd Mahrez et sa maman étaient également présentes sur la piste de danse. Dans une atmosphère agréable, la famille a célébré en brandissant le drapeau algérien. Cependant, le membre des Fennec et sa partenaire, Taylor Ward, n'ont pas été présents lors du rendez-vous familial. Ne trouvant aucun mal à afficher leur grand moment de bonheur, la frangine du footballeur a partagé des extraits de cette festivité sur les réseaux sociaux. La vidéo en question laisse transparaître l'algérianité de la famille Mahrez et leur attachement à tout ce qui est douzaine.